Summer after high school when we first met, we'd make out in your Mustang to Radiohead. And on my 18th birthday, we got matching tattoos. N'aimez pas la plus belle, aimez celle qui vous aime en retour. Aimez celle qui ne vous laissera pas tomber malgré les épreuves. Beaucoup de personnes pensent que le vrai amour n'existe plus de nos jours, mais vous changerez peut-être d'avis après avoir regardé cette vidéo, car l'histoire que nous vous rapportons aujourd'hui est une histoire hors du commun, alors je vous conseille de bien vous installer et de vous accrocher, car vous n'allez pas en revenir. Avant de commencer la vidéo, si vous venez de découvrir cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rien rater de la sortie de nos prochaines vidéos. Ceci étant dit, c'est parti. Il y a environ 2 ans, il s'appelle Évariste. Il s'est retrouvé dans un accident. Cet accident l'a terriblement ruiné. Il a perdu son œil gauche, son bras a été paralysé, et sa tête aussi a été endommagée depuis que son crâne s'est cassé. Nous vous rapportons aujourd'hui l'histoire de l'homme qui a survécu à l'impossible. Il dit que c'était plus dangereux qu'il n'y paraît aujourd'hui. Quand il a survécu à cet accident, personne ne croyait à cela dans ce village. Tout le monde croyait qu'il n'allait pas survivre, même les médecins ont dit que c'était comme un miracle, car personne n'avait jamais survécu à un tel choc auparavant. C'est Elisabeth, sa femme, eh bien ils ont 2 enfants ensemble, et elle a toujours été à ses côtés depuis le premier jour où cela s'est produit. Évariste dit que s'il n'y avait pas sa charmante épouse Elisabeth, il doute qu'il soit encore en vie aujourd'hui. Avec un bras, il fabrique des briques avec de la boue, qui sont utilisées pour construire des maisons locales dans ce village, et c'est toujours ce qu'il fait chaque jour dans la lutte pour obtenir de la nourriture pour sa famille. Il dit que c'est sa responsabilité tant qu'il est encore en vie, malgré son état. Voici son histoire. Tout a commencé il y a quelques bonnes années. Il était un homme normal avant que tout cela ne se produise. Il était comme tout autre homme dans ce village. Il était un homme dur et qui travaillait beaucoup. Tout le monde dans ce village parle bien de lui. Il a rencontré Elisabeth, ils sont tombés amoureux, ils se sont ensuite mariés. C'est à ce moment-là qu'elle a emménagé chez Évariste, et ils ont commencé à vivre ensemble. Selon elle, ils ont eu une famille très heureuse, et à ce stade, ils n'avaient eu aucun problème. Ils ont plus tard mis 2 enfants au monde, et tout allait bien à ce stade. Cette famille n'avait aucun problème à ce moment. Elle n'avait pas de travail, alors elle restait à la maison pour prendre soin des enfants. Quant à Évariste, il travaillait, il était un gardien de sécurité, il était un personnel de sécurité, il faisait partie de ceux qui se tenaient toujours devant les lieux publics, comme les bâtiments commerciaux, les banques, et d'autres lieux importants, ce qui signifie qu'il travaillait toujours pour un salaire mensuel et c'est ce dont sa famille dépendait. Selon lui, il marchait parfois pendant les quarts de jour, et d'autres fois il marchait pendant la nuit. Il avait un vélo qu'il utilisait toujours pour se rendre au travail, et pour rentrer à la maison. Et c'est ainsi que tout se passait jusqu'à ce jour où tout a chamboulé. Un jour pendant qu'il marchait entre le quart de nuit et l'aube, il était sur le chemin du retour. Selon lui, il était très fatigué ce jour, et lorsque cela s'est produit, personne n'était sur la route. Sur le chemin du retour, il a contourné une cascade parce que c'est un raccourci, et comme il ne se sentait pas bien, il a porté le vélo et a essayé de passer par là, et c'est à ce moment-là qu'il a glissé, et est tombé dans cette cascade. Il s'est cogné la tête sur un des rochers de cette cascade. À l'issue de ce choc, il a perdu connaissance. Heureusement, quelqu'un passait par là quelques instants plus tard. Cette personne a remarqué qu'il y avait beaucoup de sang éparpillé sur le sol. Il s'est arrêté pour vérifier, et c'est là qu'elle est tombée sur Évariste. Il a été immédiatement emmené à l'hôpital pour traitement. L'information a aussitôt pris tout le village, et d'autres ont couru vers sa maison pour informer sa femme. Elle était choquée et déboussolée, mais elle n'avait pas d'autre choix que de courir à l'hôpital pour vérifier la situation par elle-même. Quand Elisabeth est arrivée à l'hôpital, son mari était mourant. Les médecins lui ont parlé, et ils ont dit que selon cette condition, son mari n'allait pas vivre plus de 6 heures. Cette information selon laquelle son mari allait mourir, lui a coupé la respiration. Elle avait les larmes aux yeux, elle avait perdu tout espoir, elle ne savait plus quoi faire.
Mais étonnamment, son mari a vécu plus longtemps qu'il ne l'avait dit, il a été donc transféré dans un meilleur hôpital, pour mieux superviser son rétablissement, car rester dans cet hôpital local était risqué. Du village à son arrivée à l'hôpital où il avait été transféré, Évariste est tombé dans le coma, il s'est réveillé un mois et demi plus tard, il s'est retrouvé de cette façon, sans la moitié de sa tête. Après avoir repris conscience, il a été renvoyé à l'hôpital local, où il était auparavant, et c'est là qu'il a passé plusieurs jours en surveillance. Quelques semaines plus tard, il est rentré chez lui, et beaucoup de choses avaient changé, parce qu'il avait maintenant perdu son œil, une partie de son corps était paralysée. Il dit que l'entreprise pour laquelle il travaillait ne l'a jamais aidé avec ne serait-ce qu'une seule pièce de monnaie pour le traitement. Ils ont agi comme si de rien n'était, il pouvait à peine bouger ou faire quoi que ce soit pour lui-même, alors sa femme a continué à prendre soin de lui, comme elle le faisait toujours quand il était encore à l'hôpital. Après un certain temps, les blessures avaient guéri, mais sa tête est restée comme ça, ce qui était clair qu'aucune entreprise n'allait plus jamais l'embaucher. Il s'est rendu compte qu'il devait faire quelque chose pour gagner de la nourriture pour sa famille, parce que c'est sa femme qui travaillait pour les nourrir. Ses revenus ne suffisaient pour payer leur repas quotidien, il a donc dû trouver quelque chose, et c'est ce qu'il fait en ce moment, faire des briques avec un seul bras. Il dit qu'il doit en faire une centaine chaque jour, mais il ne gagne pas beaucoup d'argent, car il doit travailler pendant 3 bons jours pour gagner 1 dollar, l'équivalent de 500 de nos francs, ce qui est très peu d'argent pour s'occuper de sa femme Elisabeth, et celle qui douche Évariste chaque jour, parce que son bras est paralysé et il est très difficile pour lui de prendre une douche seul, et c'est pourquoi il a toujours besoin de sa femme à ses côtés presque chaque fois pour l'aider. Il dit que lorsqu'il est devenu invalide, il pensait que sa femme Elisabeth allait le laisser tomber comme la plupart des femmes de ce village. Quand il est devenu sans emploi, c'était une bonne raison de croire qu'Elisabeth allait disparaître un bon matin, mais ce qu'il savait pas, c'est qu'Elisabeth nous a révélé qu'il n'y avait absolument aucun moyen pour qu'elle laisse son mari dans cet état, car elle reste toujours sa femme, malgré ce qui allait se passer elle reste toujours sa femme, et une femme, c'est celle qui aide son mari, c'est celle qui épaule son mari malgré les épreuves auxquelles ils seront confrontés, elle serait toujours à ses côtés malgré tout ce qui va se passer. Et ils demeureront une famille heureuse peu importe la situation. Eh bien un bon mariage n'est pas quelque chose que vous trouvez, que c'est quelque chose que vous faites, et que vous devez continuer à faire. Merci d'avoir regardé la vidéo, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de me laisser le gros pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche de notification pour ne plus rien rater de la sortie de nos prochaines vidéos. Sur ce moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.